Alors, salut à toi, c'est por favor, Beat. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Beat coupé décalé sur FL Studio. Donc, comme tu le constates, moi j'ai la version 11. Je suis très à l'aise avec cette version. Donc, pour tous ceux qui me suivent, qui n'ont pas eu de vidéo depuis un certain moment, je suis désolé. Vraiment, je suis très occupé durant mes journées. Donc, du coup, j'ai eu quelques minutes et j'ai dit, je vais partager un peu quelques notions de guitare coupé décalé avec vous. Ok, donc... Là, je commence par faire la batterie. Donc, je vais directement créer une pattern que je vais appeler kick. Voilà. Donc, je dépose ça ici. Le tempo, je vais le mettre d'abord à 137. Voilà. Donc, maintenant, il faut que tu télécharges le drum kit por favor production. Il est gratuit. Télécharge-le dans la description. C'est un drum kit qui est offert lorsque tu me découvres. Donc, je vais sélectionner dans le dossier kick. Je vais prendre ce kick-ci, par exemple. Voilà, je vais prendre celui-ci. Open a new channel. Voilà, ensuite, là, je vais m'amuser un peu. Je vais directement dire fill each first step. Voilà, donc là, maintenant. Tout. Voilà, donc maintenant que j'ai ce kick-ci, je peux aller au piano roll. Maintenant, je peux m'amuser à le soulever un peu comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la vélocité. Ceux qui suivent des programmes accélérés savent que la vélocité, en fait, change complètement la tonalité de l'instrument. C'est pour ça que tu vas prendre un instrument, comme par exemple une guitare. Si tu augmentes la vélocité à fond, ça va jouer une tonalité. Si tu baisses, ça joue une autre tonalité. Donc, ça, c'est à savoir aussi. Donc, je vais maintenant m'amuser à jouer quelques percussions. Pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Dans le dossier percussions, toujours dans le drum kit, por favor production, Afrobeat. Il y a des percussions ici. Voilà, donc je vais prendre cette percussion-ci. Open a new channel. Maintenant, je vais tout simplement créer une pattern que je vais dire percussion. Tu vois? Donc, maintenant ici, je dépose ça ici sur track numéro 2. Si tu me découvres, si c'est la première fois que tu découvres FL Studio ou que tu viens de commencer FL Studio, je t'invite à télécharger dans la description. Tu vas tester mon programme de formation pour débutants. Donc, je t'invite à regarder dans la description. Il y a un lien qui va te rediriger vers ce programme-là. C'est gratuit, la période d'essai. Donc, maintenant ici, qu'on a pris... La percussion, ça c'est un tam-tam. Voilà, je peux m'amuser un peu à jouer. Donc là, je vais taper sur mon piano. Ok, donc on va s'amuser un peu. Voilà, donc je vais dupliquer la pattern kick. J'agrandis pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. Donc maintenant, je vais cliquer sur record. Je vais aller un peu rapidement. Je vais pas taper dans le piano roll. Donc je vais taper directement dans mon piano. Celui qui a un PC, il peut aussi s'amuser avec le PC. Il faut qu'il vienne activer cette fonctionnalité-ci. Dans option, tu tapes ici Enable MIDI Master Sync. Il faut que ça soit activé. Comme ça, tu peux taper directement sur ton clavier d'ordinateur si tu n'as pas de piano MIDI. Donc tout est à ta disposition. Il n'y a rien qui te manque dès lors que tu as le logiciel FL Studio. Donc maintenant ici, je m'en vais au piano roll et puis je vais m'amuser un peu à jouer quelques tam-tams. Donc maintenant, une fois que j'ai tapé comme ça, qu'est-ce que ça fait? Il y a des décalages, donc je gère ça automatiquement ici. Maintenant, pareil. Voilà, maintenant on peut s'amuser à jouer. Je vais prendre un plugin. Bon, généralement pour mes plugins,
Je les ai achetés, donc je réserve mes plugins à ceux qui suivent mes programmes accélérés. Tu vois, donc ça c'est le plugin Simple Track. J'ai plein de plugins, mais je travaille généralement pour mes tutoriels, je travaille avec Hypersonic et Purity. Donc ici, on va s'amuser un peu à prendre un instrument aussi très utilisé dans le coupé-décalé. Donc on va s'amuser à prendre dans basse, ensuite je vais prendre dans celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci. Tu connais certainement cet instrument, je vais te montrer. Donc on va dire basse, on teste. On va faire ceci. Voilà, maintenant piano roll. Voilà, donc c'est en fait ça que je vais mettre là. Voilà, je dépose ça comme ça. Ensuite, ok. Ensuite, comme ça. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai réduit la pattern kick. Voilà. Donc maintenant ici, pour accompagner ça, je peux peut-être lever un peu le volume de cette basse-ci. Voilà. Donc maintenant, je vais créer une pattern que je vais dire roulade 1. Voilà. Donc on va s'amuser un peu aussi avec. Donc là, je peux m'amuser avec le kick. Donc je vais taper directement sur mon piano. Comme tu vois, les artistes généralement ou les arrangeurs, ils tapent sur leur piano directement pour ne pas perdre du temps. Donc ici maintenant, tu peux t'amuser à prendre dans le drum kit qui est offert. Tu peux prendre cet instrument-ci. On va prendre une caisse là. Voilà. Par exemple, celle-ci. Voilà, celle-ci est bien. Donc, piano roll. Donc maintenant ici, ce qu'on va faire, je vais mettre ce qu'on appelle un sup. Voilà, celui-ci. Donc je vais m'amuser un peu avec lui aussi. Voilà, je baisse le volume. Maintenant, je vais prendre un crash, voilà. Je peux déposer ça ici même comme ça. Je baisse le volume. Donc maintenant, je peux m'amuser à jouer une guitare, tout simplement. Depuis le beat prend sa structure, tout simplement dans Purity. Voilà, je prends cette guitare-ci, chrono électrique. Donc, je crée une pattern que je vais appeler guitare. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour que tu puisses suivre la partie 2. Voilà, donc si tu es un passionné du beatmaking et des arrangements coupés-décalés, je te propose de tester gratuitement mon programme officiel qui est un programme de formation beat coupé-décalé.
Donc, le test se fait sur 3 jours. Tu as 3 jours pour tester 2 vidéos, pour voir à quel point tu vas pouvoir passer rapidement au niveau supérieur. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. On se retrouve pour la prochaine vidéo ou de l'autre côté, si tu veux bien. Ciao, ciao.